Alors Jean-Paul, cette première étape, comment tu l'as ressentie ? Une étape qui a vraiment tenu toutes ses promesses, une étape vraiment extraordinaire, tout le temps en mouvement, des échappées sans arrêt qui s'interchangeaient à l'avant, et puis un final extraordinaire où l'on a retrouvé aussi à ce moment-là 14 hommes, alors qu'on pensait que la course était jouée dès l'instant où il y avait les 7 échappées. Eh bien non, le peloton est revenu, 14 hommes se sont trouvés en tête, et puis un final, mais alors je dirais en apothéose, avec Simon Zanner, le vainqueur donc de l'épreuve en 2008, qui a été professionnel à la BMC aux côtés de Cadel Evans. Eh bien, Simon Zanner, sujet suisse bien sûr, démarre à 2 km de l'arrivée. C'est à ce moment-là, bien sûr, derrière, tout le monde se regarde. Qui y va ? Barguil, le coureur du CCI Dup, que personnellement, je donne favori depuis le début donc, de ce Tour cycliste de Franche-Comté. Et pour moi, Barguil a couru très intelligemment dans le final. Il est venu donc chercher Zanner pour en disposer au sprint et gagner la première étape, endosser le premier maillot jaune. Ça promet vraiment pour la suite. Eh ben merci Jean-Paul.